Hop, la caméra. Ah, oui, on est là. Une vidéo un peu spéciale, oui, une fois de plus. La fois que j'ai fait une vidéo que j'ai fait en 2020, c'est 2020, dans la fonction de Delaware. Oui, parce que je viens de Delaware. Le créateur de japonais, Doji. Que dit le titre? C'est tout là, les trucs que j'ai, c'est tout sous la main, un truc assez rare, j'ai dit, et pas commun. Bon, t'es vite fait, c'est quelque chose pour ce mai 2024. Voilà, c'est parti, tout là, regardez, vidéo comme ça, c'est un portage d'un jeu sorti à l'époque en 2019, je pense. Oui, Muramasa. Muramasa, Roger, c'est ça. Muramasa. Là, c'est pour une situation d'état. Sorti, et là, il était par Marvel, ça. Mais ça, c'est sûr, par les vidéos de Léonard, c'est sûr. Et c'est un jeu qui est connu. Alors, il faut savoir qu'il faut le boîte en boîte. Et j'ai entendu le jeu. À l'époque j'ai changé pour 2008, pour 2016 à l'époque déjà, hein. Et avec un beau livret, me le vous voyez, tout est là, comme ça, ici, voilà, comme ça, comme bien. Alors, vraiment j'ai étonné, j'ai fini ce parc, excusez-moi. Voilà, c'était en 2012, après on est dans l'ordre, l'ordre des yeux, voilà, on va venir dans, plus ou moins dans l'ordre, alors comme ça, comme ça. Là, ce sont les petits Dragon Scroll Collection. Alors, j'ai vu les versions. Ouais, d'abord, c'était en même temps, hein, sur PS Vita et PS3 en 2013, quasiment, je pense. Dragon Scroll qui était à l'époque origine plus sur PS2. Hein, là, ils sont plus. C'est un jeu qui est là, il n'est pas du tout traduit, il est quand même totalement en anglais. Voilà, c'est les directs. Un jeu en coop, quand j'ai eu le temps, en ligne et tout le temps seul, je regarde, j'ai fini de patiner avec un ami à l'époque, et ça est vraiment excellent. Tout ça, c'est vraiment magnifique, donc c'est en PS3, en PS3 avec 4 LS, et c'est même Amazon, et puis il y a encore les livrets à l'époque, donc ça c'était le prix que je vous ai fait. C'était 40 euros de jeu, je crois que c'est Amazon, je sais plus. Avec un petit motif, je vous montre une set, un petit détail. Et les disques en normal, non. Il y en a beaucoup de couleurs. Voilà. Un peu comme ça. Et Vita, c'est pareil. Il peut même pas donner la Vita, je ne le mets pas dedans parce que je vais le mettre dans mon jeu de boîte. Hein. Pas dans le fond. Hein. Sauf sur. À l'époque, les deux, mais voyez, sur. Et voici son portage sur PS4 en version 4K, donc en 2002. Voilà, à ce moment-là, j'ai donné sur PS4, parce que je me suis dit 3 ans après ou 2 ans. Vous voyez les cartes à l'intérieur, vous voyez. Un Blu-ray, bien sûr, de Dragon avec le Steelbook. Ça, c'est bon. Ça, ce jeu-là, c'est mon jeu qui n'est pas pu l'offert. Il est vu par un de l'eau, et maintenant, il est bien coté, parce que là, il y a tous les jeux FireWare, je dis, je dirais encore après. Les jeux fait quoi, c'est un petit tirage, tout petit tirage, pas utile de se trouver dans le petit truc pas plus grand parce que j'ai les affaires, mais là il est rare. C'est-à-dire que c'est une niche. Le jeu vraiment c'est un souci. Voilà, c'était en 2014, c'est 2015, parce qu'on a fait ça. Là on met 4. Et ensuite on est après c'est quelque chose qui est là. Alors ça, c'est le petit packing. Au défi, bon, version
le gars Sphere, une version. C'est un peu de remake partage de la version PS2 sortie à l'époque, en 2005-6, PS2, 5-10 PS2. Et que voilà, j'ai plus les versions. Non, presque. Ça, c'est la version qui a derrière dessus là. Hein. C'est la version un boîte, comme ça. Ici, voilà. La boîte ici est un peu pliée. Là c'est différent, c'est un boîtier à l'intérieur, c'est un look dedans, oui. C'est un métallique. Ouais, c'est un look, c'est plutôt le couleur qui sert avec. Ici, là j'ai la version Vita qui est aussi utilisée en même temps. Là c'est l'accessoire pour Vita. Là c'est la version collector que j'ai acheté à l'époque. Et à l'époque, j'ai acheté 3 euros le pack collector PS4. Maintenant il coûte 3 balles, c'est à l'époque, c'est 1 balle du moins. Amazon, je pense. Les deux autres, j'ai le jeu, le steelbook qui est là, un t-shirt, et un yearbook, voilà, tout ça. Tout ce que vous là. Maintenant, c'est un collecteur bien rare, qu'on ne trouve plus, de toute façon, parce que tout est rare. T-shirt avec des mini points ou deux, hein, qui est là. T-shirt avec des poussons dessus. Des cartes comme ça, la Fifi, qui lit son compte, la Ficha. Allez. Et l'yearbook du jeu. Spoil un peu beaucoup, pour vous dire beaucoup, mais je spoil énormément parce que c'est pas le jeu. Moi j'ai fait l'époque sur mon live et tout, de 2017, et là il ne plus le compte, j'ai envie de le refaire, surtout que là de l'époque, j'ai tout patiné, à l'époque, et le jeu est vraiment excellent ça. Lancement, ça va dedans, hein. Allez, je vais combler un peu dedans, tiens, c'est dedans le jeu, allez à part. Et ça je rentre avec cette boîte. C'était le petit Odin Sphere qui vraiment annule mes yeux tout petit. Voilà. Odin Sphere, voilà. Ah oui, ils m'ont montré vite fait les petits accessoires. Ça c'est ça j'ai acheté au Japon en 2018 je pense. Sur Vita. Parce que Vita, le Japon le Vita est un truc qui s'est vendu assez bien. Comparé à l'Europe, c'est quasiment pas. Ah, c'est pour ranger le petit accessoire, vous voyez, j'ai mis ça à Vita. Et franchement, là c'est pour le style de Mataya. C'est Vita, quoi. Décoration. C'est là, une pochette, enfin, j'ai mis ça à Vita à l'intérieur, bien sûr. Et à la fin, je vois un petit essuie-tout au couloir de la grande fonction. Maintenant, j'ai acheté un but, quand c'était une combienne, quand j'ai fait ça. Mais là, je peux dire, ça va pas. Voilà. La fille, oui, je vais essayer sur collection update. Hein. J'ai essayé de faire 2020. Là, elle est bloquée de maintenant. Là, il y a tous les jeux de maintenant. Le prochain jeu qui est le jeu, c'est là c'est de Lady. Là c'est ce sont des goodies que j'ai acheté au Japon en 2008 pour le jeu Cassatinel à Rad Gessig. Et ici, voilà le petit écrit distant, voilà, et le jeu, voilà qui est là. Hein. Le jeu, j'ai acheté d'abord au PS4. Je vais faire en 2020, c'est-à-dire au Japon c'était en 2020. Enfin, début 2020 et en Europe, je voulais fin 2020, c'est pas encore 2020. La fête de la édition magnifique. Et bon, à conseiller, c'est quand même un peu le jeu. Je vais laisser les deux, c'est le jeu qui est le et vous donnez fleurs, tout ça. Et voici les portables et sur Switch, ils sont là. Que j'ai acheté après aussi. Ça, c'est la version anglaise, bon, c'est en anglais, mais le jeu passe en français, donc vous pouvez. Et là, la version japonaise, qui s'est fait en 2022, vous avez vu, pour 5 000 yens, qui est vraiment assez voilà, qui est pas dit là dans le jeu. Voilà, avec une couverture inversible spéciale, qui n'y a pas sur les versions européennes. Tu l'as pas, non. Non, tu l'as pas. Non, tu l'as. Tu l'as. Si. Non, tu l'as pas, oui. T'as même pas, t'as rien, enfin, t'as que dalle. Tu as le droit de déplacer ton jeu, et c'est tout.
Et maintenant que je suis... Ah, je vais montrer l'intérieur du jeu, mais après, j'ai rien dans le vide, ça n'a rien de spécifique. Non, ça n'a rien de plus, c'est pas couvert là-dessus, donc, tu vois. Non, t'as juste le disque, et c'est toi, et c'est toi. C'est mal. Et pour finir, le jeu le plus récent sorti, quelques mois, c'est pas lié, c'est pas lié, c'est pas lié. Le dernier jeu du studio, on va y arriver, c'est celui-là. C'est Unicorn Overlord, sorti sur PS4, Japon en boîte, Europe sur les mains. Et ce suite, c'est Xbox, il y a sur deux Xbox le sorti. C'est un jeu tactique à la page, pareil, le studio, même pas fini, même style, même ambiance, même pas tête. Là, je suis même pas, je crois, sur les deux, je pense, depuis que j'ai acheté. Et vraiment, c'est bon à faire, à renouveler, à partager. Un jeu très différent, bien sûr, mais c'est un grand style, le jeu. Même si on peut pas aimer le genre, le style RPG, mais on peut aimer le style graphique des jeux, l'ambiance, le musical, tout ça. Même si une musique de Hitoshi Sakamoto, il saute au studio Bioscape, musical, tu fais tout le big, tous les OR. Voilà. Donc la petite collection, voilà. Et c'est un studio de jeu vraiment unique, très j'aime bien, qui vraiment étonnant que le jeu unique qu'on trouve pas ailleurs, et qu'on ne voit pas ailleurs, heureusement, c'est ça. Donc si vous. Voilà, si tous ces jeux-là, puis j'ai montré à l'instant où j'avais une trace où de passer. Mais là, les jeux, ça a retrouvé. Parce que les jeux, ils sortent. Je dis un très peu d'exemplaires, et que si vous l'achetez pas, ça sort. Bah après, soit ça coûte bien cher, soit tu l'as plus. Un magasin, il n'y a quasiment aucune chance de l'avoir en magasin en occasion quelque part. Donc il faut dire que ça j'ai acheté récemment. C'est pas Amazon, il n'y a plus d'Amazon. Il y avait Croya, je le jour. Et il n'y a plus. Mais là il y a un ou deux paires qui traînent, mais c'est vraiment c'est pas courant. Tous ceux-là qui sont là, c'est des jeux qui sont le voué et voir. Le voué et voir, c'est parce qu'ils sont tous les deux nulle part. Peut-être que c'est le Japon, mais au Japon c'est pour les Japonais. Il n'y a pas d'assemblée sur le disque, je pense, je ne vois pas. Donc si vous les avez trouvés, ben, je ne vois pas. Bon, moi je suis content de les avoir maintenant. Je pense que c'est les pièces de classe de Xbox. Parmi entre tous les RPG, tout comme ça, les Rolls-Royce. Enfin, les fantasy, les mises en scène, tout ça, je vais dire. Ça, c'est des jeux uniques, vraiment des jeux. C'est une vidéo sur la chaîne maintenant. Voilà, c'est. Là, il y a quasiment le 10, jusqu'à maintenant, parce que le 10, c'est depuis le premier jeu sorti. C'était le 12, le Warsaw, après le 2. Et donc, l'ordre, ça arrive toujours pas ça. Après, tu vois, les Elder Scrolls, les deux jeux, c'est-à-dire encore. Il y a aussi The Elder Scrolls, pas ça Scrolls, de toujours ça. Mais Game of War, mais j'ai pas acheté. Voilà, et au bout de ça, les Dragon's Crown. Et ensuite, tu vois, celui-ci, le Odin Sphere. Voilà, et pour finir, tu vois, les 13 Sentinels. J'ai utilisé toutes les versions. Voilà, et celui-ci. Voilà, c'est tout. Allez, je vous suis de vidéo. Allez, à la prochaine. Si vous avez vu, merci de vous un petit like, ça fait plaisir. À bientôt.
Thank you.